Hello, vous voyez deux guingois, c'est normal, j'ai mal positionné, mais bon. Commence à aller un peu mieux. J'espère que mercredi je serai capable de téléphoner, parce que mercredi c'est pas que toujours work, not tomorrow but Wednesday. Bref, oh, produit terminé, donc je pense du 8 novembre, un truc comme ça, ou du 6 novembre à hier. Donc le prochain, ça sera pas avant lundi de Pâques. Donc je pense que je vais faire une moite-moite, je vais calculer, vous connaissez. Donc voilà, donc on commence. J'ai supprimé je sais pas combien de photos. Alors il y a de tout, hein. Il y a du Sanitol. Il y a la couleur que j'ai faite en novembre qui est là. Voilà. Il y a du bain de bouche. Dentalux, mais il a fait son job de bain de bouche. Là, j'ai une bain de bouche de chez Normal. Ben, un basique, là, le produit, le shampoing de chez Carrefour à la pomme. Voilà, moi, je pense que je vais finir ma vie avec ce mec. Il m'aime tellement, je l'aime tellement. Essentiel à ma vie. Des bougies en veux-tu, en voilà. Alors, elle a bien cramé. Donc, c'est une dupe de Yankee Candle achetée à Action. Mais moi, je trouve qu'elle a très bien cramé. Bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux que certaines, en tout cas. Celle-là, je ne sais pas, ou Livarno, je ne sais pas. Je pense que c'est Carrefour, un truc comme ça. Ou non, Lidl Espagne. J'ai acheté Arôme Vanille. Voilà, bon, voilà. Ça. Le kiff de la fin de l'année, du pchit-pchit pour les chiottes, odeur. Mais encore! Plus j'adore cette odeur, je me shooterai à l'odeur. Un parfum de chez. C'est pas Primark? Je pense que c'est Primark. Alors les parfums, je les cache. Des Kylie, je les cache parce que sinon c'est la radia. Elle, sa vie, il faut qu'elle soit vendeuse en parfumerie parce que là. Qui kiffe trop sa vie. J'ai sans faire exprès utilisé la brosse à dents de ma fille, donc je l'ai remplacée par une brosse à dents en bambou que j'avais acheté à Noz à l'époque, 99 centimes. Un médicament. Une bougie, alors je pense que c'est Action. Je crois que c'était à la citronnelle. Hop. Comme quoi je monte pas. Mercredi matin. Voilà. C'est mes cadeaux. Alors après, bougie. Du produit de douche Sienne. Sublime parfum floral. C'est sucré. Ah, ça me fait penser. Je sais pas, mais ça me fait penser. C'est sucré. L'odeur très très sucrée. Alors, j'ai fini baiser fugueux. Et en finissant baiser fugueux, ben, je suis passée devant la parapharmacie. J'en avais parlé au mec qui m'a offert les quatre parfums que vous avez vus sur Insta. Donc là, pour ça, dans ma gosse. Un autre, alors aucune idée de où j'ai acheté cette truc. Moi j'ai dû acheter, ils ont fait de l'argent, je sais pas trop, en Espagne, ça m'écrit en espagnol, peut-être à Lidl Espagne, mais ça m'étonnerait. Une autre bougie achetée à Lidl Espagne, mais là c'est en plus Noël. Un stylo, j'adore ce genre de stylo, alors si vous voulez me faire plaisir sur un prochain. Un prochain colis. Acheter ce genre de stylo, quelle que soit la couleur, là, m'importe peu, mais j'adore cette marque. Enfin, c'est Sign Pain je ne sais pas, on trouve ça souvent dans les bureaux vallées, les machins. Donc, avis. Là, en ce moment, j'en ai un noir. Après, j'utilise tout petit peu de stylo, mais c'est vrai que j'aime bien cela. Alors, des bougies, en veux-tu, en voilà. J'en ai cramé parce qu'il y avait Ranouka et Soukhot. Moi, je pense qu'il y avait Ranouka plutôt, parce que Soukhot est passé. Voilà, bon, après, je mettrai la date exacte
Et je mettrai aussi la date exacte du prochain produit terminé. Nivea Pur Invisible, ben, Classicas de chez Classicas. Un bébé bougie. Oh, un bébé bougie. Là, ça c'est Action. Mais très bien brûlé. Ça sent, ben oui, ça sent les fleurs tropicales. Ouais, bien. Ça fait penser à un truc que je vous ai montré il y a quelques secondes. Après. Faut que j'en achète demain. Mais j'en ai encore. Parodontax, faut que j'en achète un demain. Pour avoir le stock, je vais à Leclerc acheter un étendoir. Ça, c'est une connerie. Voilà. Ça, c'est Parodontax. Ça, c'est. Ça c'est Max & More, donc c'est Action, et là l'éponge qui va avec. Voilà, en tout cas c'était mes produits finis, donc d'avant le 11 novembre jusqu'à hier le 31 décembre, donc ça sera du 1er janvier au, alors entre je ferai un produit fini avant lundi de Pâques qui est le 1er avril cette année. Ils vont se la trouver drôle, ceux qui vont aller à la foire au jambon. En tout cas moi je continue. Ça c'est fait, fresh restart. Là je suis en train de faire de la couture et là je kiffe ma race. Certes, j'ai beaucoup découpé, j'ai même découpé hier soir, mais là bon voilà. En tout cas, gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne année 2024 déjà pour ceux qui sont pas avec moi sur Instagram, mais c'est pas grave. En tout cas, et au prochain, alors vlog, je ne sais pas encore quand je fais, mais je vais en faire. Mais avec la voix, c'est compliqué. Sachant que peut-être je vais à Toulouse voir une copine le week-end prochain, il faut que je me mette dessus sur les blabla, mais il faut que je prenne un blabla bus. Et j'ai vraiment du mal avec ce moyen de transport. Voilà. Parce que je peux faire ça en 2 heures, ça coûte un peu plus cher, mais je peux faire ça en 2 heures que blabla bus, je mets 15 heures, je vais faire le tour de la France pour aller à Toulouse. Pour celles qui connaissent la référence de vieux, le train pour Pau. Voilà. Et mais bon, c'est comme ça, c'est elle qui me paye les voyages, donc bon, voilà, je n'ai pas trop envie de faire non plus ma bégueule, mais en tout cas, je ferai de petites photos si j'y vais. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. J'ai ouvert Airbnb pour voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent quelques jours avant, etc. etc. Voilà, toujours booking, c'est fermé parce que sinon ça va arriver un samedi, moi je vais me mettre dans la merde. Voilà, donc en tout cas, gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bisous, 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 bisous. Ciao.